Bonjour, alors mon nom est Chantal Avard, je suis la gestionnaire du programme pour un leadership municipal inclusif à la FCM, à la Fédération canadienne des municipalités. Donc je suis basée à Ottawa, au Canada, mais j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être associée au projet pendant presque la totalité de sa mise en œuvre. Beaucoup d'émotions, beaucoup de reconnaissance. C'est vraiment formidable d'être réunis ici aujourd'hui avec tous les partenaires et de réaliser à quel point ce programme a eu un effet multiplicateur. Donc, c'est un programme qui a été développé dans un certain contexte favorable, où il y avait une mouvance en Tunisie pour encourager la décentralisation, encourager la participation des femmes en politique. Donc, le programme vraiment s'est greffé à cette mouvance cela et à appuyer les femmes leaders pour qu'elles puissent vraiment partager leurs préoccupations, s'impliquer davantage dans les affaires locales, puissent proposer des idées de projets. Les élus également, qui pour la plupart en étaient à leur première expérience, donc développer la confiance, les compétences pour qu'elles puissent vraiment jouer leur rôle autour de la table du conseil municipal et collaborer de très près avec des municipalités partenaires qui se sont montrées ouvertes justement à écouter les préoccupations de leurs citoyens, à être plus inclusifs. Donc, c'est tout le travail qui a été fait au niveau local. Et au niveau national, on sait que ça prend un environnement facilitateur pour que les communes puissent être outillés, jouer leur rôle et pour qu'il y ait un espace pour que les femmes soient vraiment des leaders. Donc, il faut qu'il y ait un contexte politique, législatif qui favorise ça. Donc, je pense que le projet a vraiment contribué à rassembler les acteurs nationaux autour d'une même table, autour de préoccupations communes pour vraiment pousser cet agenda-là d'inclusion et d'égalité.